Monstrarium est né d'une une commande, c'est-à-dire que c'est la demande, elle est venue d'un centre de création musicale qui s'appelle le GMEM, qui nous a demandé de réaliser un spectacle jeune public sur la thématique des monstres. Parce que nous, on travaillait, jusque-là, on travaillait pas trop ensemble. Enfin, moi, je travaillais en tant que plasticienne, Nicolas en tant que musicien. Et donc là, pour ce spectacle, on nous a demandé de travailler ensemble. Ce qu'on a fait. Et il y en a un Monstrarium. Voilà. Et donc, ouais. Ensuite, dans la réalisation, moi, je suis plasticienne, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'ai jamais travaillé sur des projets de spectacle vivant. Ben, on a choisi de faire un spectacle qui s'inspire de ce qu'on fait, quoi, d'habitude, c'est-à-dire moi dans mon atelier, Nicolas dans mon studio, et d'essayer de le mettre, de faire une forme à partir de nos pratiques. D'accord. Ben, c'est pour ça qu'effectivement, notamment Loïse, elle mélange plusieurs pratiques de plastique, d'art plastique, parce que vraiment, on s'est amusé à essayer à mettre ce qu'on aimait. Donc on a essayé plusieurs techniques. Le son et l'image, elle met en même temps, en fait. C'est assez spontanément, oui. Enfin, elle est venue assez spontanément parce qu'en travaillant dans le même espace, on a posé des idées quand même. Par exemple, la forêt, on a posé l'idée d'un décor, quelque chose d'un peu fourni comme ça, avec des apparitions de créatures, mais quelque chose qui est plutôt dans le petit. Donc en fait, sur ça, je me rappelle, la musique est arrivée plus vite que la réalisation visuelle. Après, il y a des choses où c'était l'inverse, par exemple sur l'air à la fin, moi j'avais avancé un peu plus la partie vidéo, l'ambiance était là déjà. Et du coup la musique a suivi, effectivement, enfin, ça dépend. Ouais, il y avait souvent des allers-retours voilà, sur ça, et pas vraiment quelque chose qui était fixé dès le début. Fixé depuis le début. Donc suite à ça, on a travaillé sur des performances plutôt courtes, mais des choses qui n'étaient pas de ce format là, qui étaient un peu plus dans l'expérimentation. Et puis là, oui, on démarre des nouveaux projets de spectacles qui vont naître, on va dire, dans l'année quoi, qui suit. 2018. 2018-2019.